Piquière, bah, c'est le plus grand rassemblement de vol libre du monde. Un super show aérien, c'est un gros meeting où en fait tous les pilotes viennent se rencontrer. Au départ, c'était que le Delta, et puis petit à petit, bah, y a eu le parapente, et puis d'autres disciplines motorisées, et puis maintenant avec le parachutisme, le base jumping, etc. Il y a de plus en plus de fanas qui se retrouvent ici pour célébrer un peu tous les aspects du vol, quoi, du vol humain, on va dire. En fait, on appelle ça du paralpinisme. C'est le mélange en fait, d'alpinisme et de parachutisme. Cette année, c'est la première année où on est une démonstration officielle. Donc voilà, c'est beaucoup d'honneur, enfin moi, de représenter l'activité. Donc en gros, nous, on escalade la montagne et ensuite on redescend, on se jette dans le vide. Soit on utilise un vêtement qui se gonfle, donc ça peut être une wingsuit ou pas de wingsuit, et puis on ouvre notre parachute pour se poser avant d'arriver dans la vallée. Quand on arrive dans la moyenne à haute altitude à 4000 mètres et que 3-4 minutes après, on est posé en ville ou à côté de la ville, c'est assez incroyable, quoi. Et en effet, on a toute la partie laborieuse de redescente, rappel, ce qui fait mal aux genoux, on l'a pas. Donc oui, on est un petit peu fainéant de ce côté-là. Ça permet ces petites caméras modernes avec qui font quand même des bonnes définitions de ramener ces images et puis de les partager avec tout le monde, notamment aux icares du cinéma. Ça fait hyper longtemps que les icares du cinéma sont en place et bien en place. Depuis que je suis tout petit, parce que moi j'ai commencé à être bénévole sur le festival du film et j'ai regardé ces films avec des yeux ouverts grands comme ça et voilà, ça m'a vachement inspiré. La Coupe Icare, c'est une histoire de rencontre et de famille, quoi. Et puis après, j'arrive avec mes petits voyages. J'espère que si jamais on arrive à faire voyager les gens, c'est super. L'idée, c'était de partir d'un bout et de finir à l'autre bout. Et que c'était tout simplement pas possible de pas imaginer de traverser l'intégralité de l'Himalaya en parapente. Je me suis vraiment mis à aimer le parapente parce que je l'utilisais comme un moyen de transport, un moyen de voyager. Et puis comme je suis montagnard et passionné d'Himalaya, j'ai transporté ça là-bas. Ce que j'aime bien, c'est tu décolles et tu sais pas du tout si tu vas voler 3 km et te poser en fond de vallée ou si jamais tu vas réussir à faire 150 bornes et atterrir dans un décor complètement différent. Ce que j'aurais envie de définir comme l'aventure, c'est de absolument pas savoir ce que je vais faire de mon après-midi ou de ma soirée en décollant le matin. J'ai surtout envie que les gens ils aillent voyager dans tous ces pays et leur montrer que les gens sont adorables là-bas, quoi. Moi, c'est ça qui me fascine en Himalaya, c'est que les villageois de l'Himalaya accueillent toujours à bras ouverts l'étranger, le mec qu'ils connaissent pas. Et c'est ce qui se passe à la Coupe Icare. Et je dis chapeau. Finalement, j'ai appris à connaître la Coupe Icare. Je me suis dit, mais waouh, cette équipe de bénévoles, waouh, les mecs, comme ils sont passionnés et comme ils sont de bonne humeur et comme ils transpirent la joie de vivre. La Coupe Icare, elle énergise un peu les gens du plateau. On voit que tout le monde, l'espace d'un week-end, d'une semaine, va serrer les coudes pour faire vivre cet événement, pour accueillir les gens qui viennent de quatre coins de la planète. L'école de Saint-Hilaire invite à venir participer à Icarmome. Il y a tout un tas d'ateliers qui sont proposés pour accueillir ces classes. Une journée festive, mais aussi pédagogique. Aujourd'hui, on rejoint deux messages, c'est-à-dire un message de rêve, qui est de voler comme eux, et un message de conservation, parce que si on rêve de voler comme eux, il y a un moment, il faut qu'on les protège aussi. Et c'est aussi pour ça qu'on vient à la Coupe Icare. Je pense qu'il faut être pédagogue pour pas qu'ils en aient peur. Et comme c'est un animal qu'on connaît peu, le fait de pouvoir le présenter comme ça, dès leur plus jeune âge, ça fait qu'on en a plus peur et qu'on apprend beaucoup plus sur l'animal et qu'on peut le respecter. Les professionnels vont s'y retrouver, les amateurs vont s'y retrouver, mais le grand public il va s'y retrouver aussi énormément pour découvrir le vol, pour faire des baptêmes, pour juste regarder, se poser, regarder, apprécier le spectacle et participer à la fête, quoi.